Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous présenter aujourd'hui la poussette Bon Avis. Je vais vous donner un petit peu mon ressenti, vous montrer comment est-ce qu'elle fonctionne. Déjà, on peut voir que quand même elle est assez compacte pour une grosse poussette, hein. C'est quand même pas mal. Au niveau du pliage et dépliage, elle se fait super facilement. Rien à redire, franchement, j'ai testé beaucoup de poussettes et il y en a qui étaient beaucoup plus fastidieuses que ça. Là, en un clic, c'est bon. Vous pouvez régler au niveau des pieds, ce qui est pas mal. Et vous pouvez voir aussi qu'il y a un petit côté un peu simili-cuir qui permet un entretien super facile au niveau des pieds, si les pieds sont sales, etc. Moi, je trouve ça vraiment très cool. Là, on est au niveau des mains et vous avez aussi la possibilité de mettre tout en bas, milieu, tout en haut. Donc, en fonction de la taille que vous faites, vous pouvez bien régler et être à l'aise sur votre poussette. C'est très important. Elle est magnifique, les finitions, franchement. Je l'adore. On est sur un harnais 5 points qui est super. Franchement, au niveau de l'entrejambe, le bébé est très très bien placé. On a une très grande capote qui est aussi, d'un zip, peut se transformer en capote un peu plus petite. Je la trouve très bien cette capote parce que mine de rien, quand il y a un beau soleil ou quand il y a du vent, vous repliez à fond et le bébé n'a rien dans les yeux. Je trouve ça topissime. Franchement, pour le coup, je suis très très contente de cette petite option qu'elle a. Hop, vous voyez, ça fait en poussette classique, il y a un pare-soleil aussi, c'est sympa. Donc on appuie sur le frein, simplement, il y a juste un petit frein central. Et on peut changer face ou dos au niveau de la route. Donc c'est très bien, si on veut voir son bébé dans les tout débuts, on peut le mettre face à nous. Et si on veut qu'il voit ce qui se passe un peu partout, on le met dans l'autre sens. On a une très jolie nacelle qui est vraiment, vraiment très très jolie. Hein. Franchement, je la trouve magnifique. Voilà, petit essai, ça me plaît. Ce que je voulais vous dire par rapport à cette nacelle, c'est que elle est déjà plein de, il y a déjà plein de petits équipements. Tout fonctionne avec des zips. Bon, vraiment, c'est la première nacelle que j'ai de si belle qualité, hein, je vous assure. On est sur un très beau matelas, très moelleux, très confortable. Donc ça, on adore. D'ailleurs, elle se replie complètement à plat, hein, donc c'est pratique. Là, on est sur le panier de rangement qui est au milieu, qui est gigantesque, comme vous pouvez le voir, c'est juste incroyable. J'ai été faire mes courses la dernière fois avec, j'étais trop contente, parce que c'est la première fois que j'ai un panier aussi énorme. Donc ça, quand on est seul avec bébé, c'est bien. Il y a un porte-gobelet ou un porte-biberon, comme vous voulez, qui s'attache juste ici. Donc très bien pour les balades. On a des vraies belles roues, d'ailleurs, c'est très très maniable. J'ai pas de soucis, vraiment en campagne ou comme en ville, j'ai adoré les finitions là, mais j'adore, j'adore. Donc là, je vais vous montrer le repliage hein, pour remettre la poussette dans la voiture. Donc, hop, on allonge. Vous allez voir que c'est super rapide. Hein. Moi, je mets comme ça parce que c'est comme ça que je la mets dans ma voiture. Je remonte au niveau des pieds, mais vous n'êtes pas obligé du tout. Hein. Et hop là, voilà. Après, là, il y a un petit clips. Et puis, c'est bon. On peut partir, tout est ok. Je vais aussi revenir du coup sur les accessoires parce qu'il propose une moustiquaire. Il propose également un habillage pluie qui est adaptable à chaque fois à nacelle et à mac. Et aussi un pare-soleil. Et je trouve ça topissime. Franchement, je trouve ça génial de penser à tout ça. Donc voilà, je suis vraiment très très contente de vous avoir montré un petit peu cette poussette. Moi personnellement, après plusieurs semaines d'utilisation, je la trouve vraiment géniale. J'en suis très très contente, je la trouve maniable, je la trouve magnifique. Elle est très jolie, elle a plein de petits détails. Elle a à chaque fois des petites options super sympas, très bien pensées. Et c'est quelque chose franchement de rare. Donc on est quand même sur une poussette qui a une période d'essai de 30 jours. Si elle ne vous satisfait pas, si vous n'en êtes pas très content, et ben vous pouvez la retourner. Donc la livraison et les retours sont gratuits. Ça c'est une note très importante parce que mine de rien on ne peut pas toujours la tester. Hein, donc voilà, c'est ça permet de pouvoir l'essayer, de voir si elle nous convient. Elle est garantie 3 ans. 3 ans, c'est énorme. Et voilà, donc du coup, vous êtes satisfait ou remboursé si elle ne vous plaît pas. Donc je trouve ça vraiment très très bien. Elle est dotée de plein d'accessoires. Hein. Au niveau du cosy, c'est quelque chose qui m'avait été beaucoup demandé. Mais il est vendu sur le site. Il me semble que c'est 25 euros si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc il est vendu des petits
accessoires, des petits kits que tu clips là où tu es censé mettre normalement la nacelle ou le hamac, et ça te permet d'adapter ton cosy. Sur le site Bon Avis, vous avez donc en vente ce petit kit, et vous avez aussi la liste des cosy qui sont adaptables. Moi en l'occurrence je vais partir sur un Cybex, donc du coup il est adaptable, donc c'est parfait. D'ailleurs en ce moment vous avez avec le code printemps19, c'est sur le site, hein, c'est pas de moi, je l'invente pas ou quoi, hein, mais c'est vraiment ça. En ce moment, avec le code printemps19, vous avez le sac à langer qui a une valeur de 99,90€ qui est offert avec votre poussette. C'est super chouette. C'est super chouette. C'est en ce moment là, c'est pas valable très très longtemps, donc voilà, si vous étiez quand même pas mal intéressé, bah au moins comme ça vous le savez. Voilà, vous avez plein de petites choses différentes. Ça, je trouve ça très très chouette. Hein. Franchement, c'est pour pouvoir mettre à l'arrière de votre poussette et transporter un autre enfant en fait, tout simplement. Donc ça m'intéresse beaucoup beaucoup. Le site est très bien fait, hein. Franchement vous pouvez tout retrouver. Donc là c'est tout ce qui est accessoire qui est disponible. Et voilà, la poussette Dio c'est celle-ci. Voilà, et en fait ça vous donne absolument toutes les infos nécessaires. Vous pouvez aller sur le site pour voir si voilà, si vous avez d'autres questions, ou en tout cas vous pouvez me les poser, il n'y a pas de problème aussi, hein, moi je vous répondrai. Mais vraiment le site est quand même assez complet, il explique absolument tout ce qu'il y a. Moi j'adore, j'adore. Donc réel coup de cœur pour cette poussette, franchement réel coup de cœur. Je suis très 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 contente. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis un peu de découvrir cette poussette si vous la connaissiez pas, et si vous avez cliqué parce que c'était quelque chose qui vous intéressait, que vous voulez avoir plus d'informations. J'espère que ça aura répondu à toutes vos interrogations. En attendant, moi je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.